Salut! Salut! Ça va? Ouais, toi? Ouais. Ça fait longtemps que tu m'attends, ça va? Non, non, je sais pas, 15 minutes. Ça va. C'est à côté de chez toi, du coup? Ouais, je suis pas loin là. Ouais? À 5 minutes à pied, même pas. Ça Ah oui, va, c'est calme. ouais, de ouf. Ça fait du bien. De ouf, ça change de Paris. Ouais. Bah, j'en ai besoin, je peux pas être à Paris. Ouais. Et tu vas taffer bientôt là, ça te met pas dans le jus de. Non, bah la saison elle est finie. Ah, t'es plus à l'accrobranche? Non. Pour ça, j'ai un peu plus de temps là. Ok, tu Ouais. fais quoi? Tu chill? Non, je suis en formation là. Ah, tu rattaques direct? Ouais. Bah, il faut un truc pour l'hiver, j'ai envie de me poser un peu sur Paris, enfin à côté de Paris. Ok. J'avais pas envie encore de faire une saison d'hiver et tout, du coup là, je suis en formation. Et formation de quoi? De cordiste, je sais pas si tu connais. Bah, je reste dans un Cordiste. baudrier, mais je suis plus dans les arbres. C'est ceux qui font les travaux en hauteur qui sont inaccessibles. Ah, les gens qui lavent les vitres à la tour Montparnasse? En gros, C'est ça? ouais. Ouais, en gros. Ah, ok. Ah ouais, t'as vraiment besoin de sensations fortes, toi. Ouais. Je pouvais pas juste laver des vitres. Il fallait que je sois sur la tour Montparnasse. Et toi, tu fais quoi en ce moment? Moi, c'est un peu mort là en ce moment. Rien, hein, rien de spécial. Un peu de doublage par-ci par-là. J'essaye de passer des castings, mais voilà. Cool. Et ça marche pas trop, ça marche un peu quand même. Bah, là, c'est un peu mort, j'avoue, je m'ennuie un peu, mais j'essaye de toujours rester active. Enfin, non, en fait, je fais rien. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je fais rien de ma life. En ce moment, je me fais chier. Oui, ça se passe quand même. T'es contente? Non, en vrai, ça me fait vraiment chier. Moi, je suis vraiment hyper active et quand j'ai rien à faire, je suis triste, quoi. Mais j'essaie de rencontrer du monde. C'est pour ça que voilà, je me dis, vas-y, profite de ton temps libre pour voir des gens et tout, rencontrer de nouvelles personnes qui sont pas dans le cinéma, tu vois. Ça me fait plaisir de Ouais. parler à quelqu'un qui est hors de mon milieu et tout. Je connais que des acteurs quasiment et c'est fatigant, quoi. Il y a beaucoup de compètes entre les acteurs. C'est pas ça, c'est que les acteurs, c'est des gens torturés, quoi. Donc du coup, au bout d'un moment, genre, j'en ai marre d'entendre parler de « Ah, j'ai pas eu ce casting, je suis qu'une merde, finalement, je vais pas être acteur et tu dois rassurer un tel » et quelqu'un d'autre est triste parce que bah, justement, il fait rien et tout. Enfin, il y a plein de gens qui sont… Enfin, il y a peu d'acteurs qui tournent beaucoup, tu vois, donc la plupart des gens, ils sont tristes, en fait. Ou du moins, ils ont leur phase. Donc du coup, ouais, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui est bien dans la vie, qui fait du sport, du loisir et tout. Ah, il est foufou, le chien. Ça te dérange pas la clope? Non, non, pas du tout. Moi, je fume en intermittence, donc. Mais de bon matin, je pourrais pas. Ça va, il est midi. Ouais, c'est le matin pour moi là. Pas trop. Et comment il va ton frère? Pire. Pire, ça fait un moment que j'ai pas eu de nouvelles, là. Il s'est pas mis dans On la doit se croix-branche voir. entre-temps? Hein? Non. Non, mais lui, il a des idées qui lui sortent comme ça tous les deux matins et finalement, il les fait pas. Mais non, non, il a grave kiffé. Il t'a grave kiffé aussi. Hein, Ouais, mais il est pas là pourtant. Non, il n'est pas là. Il t'appellera peut-être dans la semaine, il va vouloir te voir aussi, je sais pas. Non, ben voilà. Ouais, je sais pas, ouais, je lui ai demandé le numéro là qui t'avait pris parce que je me suis dit, je sais pas, je trouve que t'avais l'air sympa et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas te rencontrer un peu plus, apprendre à te connaître. Ouais. Quoi, ouais. Non, c'est vrai, c'est cool. Après, ça m'a étonné un petit peu. Pourquoi? Bah, c'est étonnant. Enfin, moi, je suis au travail et puis après, je reçois un message en mode viens, on va se voir et tout. Mais c'est cool. Ça me fait bizarre. Mais. Genre, ça t'arrive pas souvent. Non, c'est la première fois. Ah bon? Ouais. Bah, sinon, ce serait un peu abusé. Je sais pas, moi. Non, ouais. Pour tout te dire, c'est ouais, je sais pas, qu'on s'est vu à l'accro, je sais pas, tu m'as perturbé, quoi. Je sais pas quel est le mot en fait à utiliser, mais
Je sais pas, j'ai pas mal pensé à toi depuis tout ce temps. Je suis hyper gênée de dire ça. Je sais pas, franchement, je sais pas ce que j'ai. Voilà, je me suis dit, il faut que je la revoie, il faut que je vois déjà si ce que j'ai ressenti ce jour-là est continu. Et voilà. Du coup, c'est toujours là. Mais ah ouais, d'accord. Bah ouais, je crois, ouais. Je crois. Je sais pas, je me sens... Tu m'intimides de ouf. Je me sens hyper bizarre avec toi. Mais j'avoue que je suis pas... Enfin, je suis intimidée aussi, quoi. Je suis un peu gênée, mais... Désolée de te gêner. Je sais que c'est, genre, hyper gênant, ce genre de discussion, mais je sais pas, il faut bien passer par là, je me dis, pour voir ce qu'il y a après. Je sais pas. Oula, c'est hyper gênant, ça y est, je me sens hyper mal. Tu veux que... En vrai, j'habite à 5 minutes, si tu veux. En vrai, il fait un peu froid. J'ai du thé. J'ai une peau de bête. J'ai une peau de bête. Un petit feu de cheminée. Ouais, mais si tu veux, on peut aller prendre un thé, ouais. Je me sens hyper mal. Non, ça va. Ça va. C'est mignon, ce que tu dis. Ça me fait plaisir. Je me sens trop bête. Mais non. Je sais pas, j'aime pas faire ça d'habitude, mais parce que d'habitude, c'est pas moi qui fais ça. À chaque fois que je te vois, tu pleures. Oui, bah, faut t'habituer. Mais non, j'aime pas faire ça. Bon, vas-y, viens, on va chez toi. Vas-y. C'est par où? Juste là. Là, là derrière? Ouais. Ok, vas-y, je te suis. Ah, ça fait du bien de marcher. Okay. Ça va? 6. Porte-bonheur. C'est où? Gauche. On se croirait dans un film d'horreur là, avec les Shining. T'as vu Shining ou pas? Non. Mais je vois l'ambiance. Bienvenue. C'est mignon. J'enlève les chaussures aussi? Ouais, si ça te dérange pas. Du coup, je te fais un petit thé direct. Ouais, je viens. Putain, c'est marrant, ça, on dirait chez moi. Ah ouais? Ouais. Il y a vraiment une similitude entre les deux dispositions. J'ai le même canapé en plus. Mais il est pratique quand même, quand t'as des potes qui viennent. Ah ouais, t'as une chambre à côté, qui est stylée. Mais ça va, ça rapporte bien l'acrobranche. Ouais, j'avoue. Non, l'acro pas trop, mais je mise tout sur ma formation là. Mais je viens d'emménager là, il y a 2 semaines, même pas. Pour ça, il y a un peu encore de bazar. Ça se voit pas du tout, on dirait que t'es là depuis... Ah, j'ai fait vite, j'avais pas envie de traîner dans les cartons trop longtemps. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Alors, pamplemousse rose. Verveine. Avoue, tu bois jamais de thé, c'est pour les invités, tu sais même pas de quoi tu parles. C'est ma mère. Citron. Verveine, ouais, on va rester sur un truc classique. Bon. Et t'as quel âge? 26 ans. 26 ans? Ouais. Ok. Je viens d'avoir 26 ans. C'est quoi ton signe astrologique? Vraiment? Lion. Lion? Oui. T'es né en juillet? Août. Août. Ok. Toi t'es quoi? Me dis pas que t'es scorpion. Pourquoi tu dis ça? Qui aime les scorpions? C'est horrible ce que tu... Oui, je suis scorpion, mais pourquoi tu dis ça? C'est vrai? Oui. C'est des malades, les scorpions. Tu sais que ça, c'est quelque chose qu'on me dit à chaque fois, il y a un préjugé sur les scorpions, non, mais qu'on peut pas... Enfin, tous les scorpions sont pas des malades. Oui, je suis peut-être une malade en vrai, mais... une gentille malade, je sais pas. Non, les scorpions, ils sont vraiment martyrisés à cause de ça.
Non, mais d'accord, ils ont une mauvaise répute, quoi. On est vraiment en train de parler astrologie, ça y est. C'est pas ce que commencé. Désolée. En vrai, je sais pas pourquoi, j'y crois pas, mais je demande toujours. Bah, c'est que t'y crois un peu, quand même. Peut-être. Tu veux un petit Est-ce gâteau? Est-ce que t'as la N1? Tu veux un petit gâteau? Non, merci. Est-ce que t'as la haine des scorpions parce que t'es déjà sortie avec un scorpion ou oui, bah une oui. scorpionne? Une scorpionne. Et ça s'est mal passé, c'est ça? Forcément, sinon j'aurais pas la haine. Et du coup, j'en profite pour te demander, toi t'es plutôt fille du coup ou t'as eu plus de relations avec des mecs ou des meufs? Non, je suis que fille. Que fille, okay. Ouais. Je me suis posé des questions il y a 5-6 ans, si les garçons, et au final non. Ouais. Je suis fille depuis genre que j'ai 12 ans, 13 ah ouais ans, ouais. Ça me faisait peur, les garçons. Au début, ça me dégoûtait, et après, ça me faisait peur parce que bah, t'as 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, et puis au final, t'as toujours pas fait ta première fois, entre guillemets, avec un garçon. Mmh. Du coup, t'es en mode, bah, c'est trop tard. Ouais. Puis en fait, non, j'en ai vraiment pas envie. Ok. Et toi? Moi, c'est chaotique. C'est les deux, mais j'ai commencé avec les meufs. Ah ouais? Moi vraiment, mais... Et t'as réussi à passer au mec après les meufs? Bah en fait, c'était même que je pouvais plus, en fait. J'ai tellement été traumate de ma première relation, parce que du coup, c'était passionnel, c'était destructeur, tout ce que tu veux, comme d'hab. Du coup, après, je me suis dit plus jamais une fille et tout, et du coup, je suis allée vers les mecs. Et je me rends compte aujourd'hui, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que peut-être j'ai trop mis, justement, cette attirance que j'avais pour les filles de côté. Après avoir été traumatisée, tu vois. Et du coup, je me demande si je me suis persuadée avec le temps, en fait, que j'aimais plus les filles. Mmh. Et au final, aujourd'hui, je commence à me rouvrir à ça, à me dire peut-être que... je sais pas. Parce que là, du coup, ta dernière relation, c'était un mec. Ah oui, toutes mes dernières relations, c'était des mecs. J'ai la dernière fille... Tu dis ça comme si t'avais eu 150 dernières relations. Non, mais c'est vrai que... J'enchaîne pas mal, quoi. La solitude ne me va pas. Enfin, je sais pas. Oui, je suis toujours en couple, en vrai, souvent. Là, c'est rare que je prenne un petit peu le temps de profiter d'être seule. Enfin, profiter. En vrai, je me fais chier. Mais voilà. Tu joues de la guitare? Ouais, un peu. Mais ça fait genre 2-3 mois, là, j'y ai pas touché. Genre, t'en joues bien? Ça va. C'est pas tu fou. Fais la modeste. Ouais, je fais la modeste, j'avoue. En même temps qu'il va dire, ouais, je joue bien. Je sais pas. Bah, vas-y, joue un morceau. Non, pas tout de suite. On boit notre petit thé, petit café, petit déca. Ok. Je bois un petit peu et tu joues? Ok. Mais ça me gêne. Tu joues d'un instrument? Pourquoi tu ris? Je sais pas, je me sens de nouveau hyper gênée. J'ai joué du piano pendant un petit moment et voilà, maintenant j'ai arrêté parce que comme tout le monde, bah, à l'adolescence, j'ai préféré boire des bières, fumer des clopes plutôt que de continuer. Donc aujourd'hui, tout ce que je sais jouer, c'est les vieux morceaux que je jouais à l'époque, Pirates des Caraïbes, Lucie de Pascal Obispo, un truc comme ça, tu vois. Mais bon. Tu chantes? Non. Non. Non, 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 il n'y a même pas moyen. Si tu joues Lucie de Pascal Obispo... Oui, je chante piano, en vrai, mais seul tu chantes piano. Dessus. Seul, oui. Toi, tu chantes? Un peu. J'ai failli m'étouffer. En fait, il faut peut-être enlever les feuilles avant de boire. Ouais. Bah, tu vas me montrer, alors tu vas me faire une démo, tu vas chanter et jouer de la guitare. Ah ouais, tout ça. Ok, mais si je joue, tu me fixes pas, quoi. Tu veux pas que je te regarde? Non, tiens, pas regarde. Trop. Regarde. Je me mets comme ça. Et si t'aimes bien, je retourne à la j'appuie sur le bouton et je me retourne. Ok. Ça me gêne, hein. T'inquiète, je comprends, t'inquiète. Tu me jugeras pas trop? Mais non, pas du tout. Tu sais, je sais ce que c'est. Je passe des castings tout le temps. Qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves, pas où il fait chaud, si on n'a pas son pareil.
C'est qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment. Des milliers graines de joie, comme pousse ici la haine. On avait dit, petit gars, quand t'enlèves tes chaînes, donne une nouvelle vie sans jeter dans l'arène. Ici tout petit, après 9 mois à peine, tu prends dans une vie où tu perds vite haleine. Alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer, rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Pas trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux. Toutes les odeurs remplissaient tous mes voeux. I just wanna be free in this way. I just wanna be free in my world. Bibere, beribertà, bibere, nella libertà. I just wanna be free in this way. I just wanna be free. Alors une petite fille, si belle que nature, me prit par la main une petite aventure. Elle disait même oui, que la mer l'enviait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. Elle m'emmena au loin, avec une douceur sans fin. Ses boucles dorées dégageaient ce parfum. Depuis des années, elle quittait ce chemin. Ton chemin, ton chemin, ton chemin. I just wanna be free in this way. I just wanna be free in my world. Bibere, per libertà, bibere. Et la liberté, I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Libéré, per libertà, libéré. Et la liberté. Tu t'es pas retournée. T'as cru que j'allais pas me retourner. Waouh! Merci. Mais alors, je savais que tu chantais bien, mais je pensais pas autant. J'adore. J'adore ta voix. Merci. Je suis sûre que tu peux donner beaucoup plus quand tu pars, parce que là, t'es restée toute douce. Bah là, on est dans le cocon. Mais je pense que tu peux envoyer du lourd avec ta voix. Faut que tu fasses des trucs, tu fasses des vidéos sur YouTube ou je sais pas. Non. Non. Tu gardes ça pour toi. Il y a tellement de chanteurs et tout. Enfin, j'ai pas envie. Puis rien que là, regarde, je tremble et tout, je suis pas bien. T'es pas bien, non, je suis pas bien. Ça me gêne. J'oublie toutes les paroles dès que quelqu'un m'écoute. Enfin. Oui, j'ai entendu des fois. C'était mignon. Putain, bravo. C'est trop beau. Tu veux essayer? Non, mais moi, alors que je t'ai dit, moi, je joue juste Pirates des Caraïbes et c'est tout. Hein. Au piano et à la guitare. C'est vrai? Non, mais je joue même pas. Voilà! Non, non, je ne sais pas du tout jouer. Ah si! Non, non, une prochaine fois, ça. Je peux pas maintenant. Tu veux pas qu'on fasse l'inverse? Je me retourne et tu joues? Non, 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 non. S'il y avait eu un piano, peut-être, mais enfin, la guitare, je suis pas à l'aise. Non, t'as une voix de dingue. Merci. Et c'est le matin. Je peux te faire un câlin? Ouais. C'est joliment demandé. Bon. Ça fait super bizarre de toucher la peau d'une meuf en vrai. Il y a pas de barbe. D'habitude, il y a des poils. C'est doux. Ouf. Ça faisait longtemps là, désolée. Ça... Je suis plus du tout habituée, je sais plus du tout. J'ai l'impression de plus savoir comment faire. Je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien.
très belle. Mais toi aussi. Tu veux qu'on regarde un truc? De quoi, un film? Ouais. Ouais, vas-y. Genre un dessin animé, genre un truc léger. Ok, ouais, un dessin animé, ça serait bien, ouais. Parce que un truc sérieux. Bah, je sais pas, ouais, tu veux regarder quoi? Je sais pas, choisis. C'est quoi ton dessin animé, genre? Ever Spirit. C'est vrai? Ouais. J'aime trop. C'est vrai? Ouais. J'adore. Les musiques de Dora sont ouf. Ouais, grave. Bah vas-y, bah pour Spirit, hein.